Le zombie de Call of est de retour. En tout cas, jusqu'à un certain point. On va regarder exactement tout ce qu'on sait sur celui-ci, comment il fonctionne. Pourquoi ici? Eh bien parce que le gamin en moi qui passait des nuits sur le zombie de Black Ops 1 est quand même très intrigué d'essayer ça et d'en apprendre plus. J'ai aussi mon review de Modern Warfare 3 qui arrive à ne pas manquer très bientôt. Ah, et bien sûr, si vous aimez bien le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, merci beaucoup. Donc déjà, sachez que le zombie de MW3 aura son propre système de camo sur les armes que vous pourrez farmer. Toutes les armes de MW2 et 3 pourront débloquer les camos qui sont propres aux zombies. Mais bref, comment tout ça fonctionne? Le mode est sur la nouvelle map de Warzone, donc tout est très différent à un certain point. C'est un énorme monde ouvert qui mélange le DMZ du dernier titre et le zombie traditionnel, slash plutôt le mode contagion. Car tous les éléments comme la boîte mystère, le pack-a-punch, les sodas et les singes sont là. Mais avec ça, vous retrouvez l'aspect d'extraction qu'offre DMZ, où vous rentrez dans une partie et si une heure plus tard vous n'avez pas fait une extraction, eh bien la zone aura grandi et vous allez tout simplement mourir. Mais ça veut aussi dire que si tu extrais avec des équipements, eh bien tu peux les amener dans la prochaine partie que tu vas faire. En tes perks, tes sodas, tu peux les amener d'un match à l'autre si tu es parti en hélicoptère, ce qui est vraiment intéressant en vrai. Le mode a 24 joueurs dedans en escouade de 3. Vous êtes tous balancés sur la map en même temps, mais c'est du PvE à fond, donc si vous croisez les autres, eh bien vous ne pouvez pas vous faire du dégât entre vous. Par contre, vous pouvez vous entraider car en effet, vous pouvez aller jusqu'à créer une escouade de 6 joueurs si vous rencontrez une autre escouade avec vous, ce qui pourrait être vraiment fun en vrai, je pense. Vous allez tous commencer à l'extrémité de la map qui est considérée comme la zone tier 1. Les zombies là sont très très faciles, c'est là que vous pourrez bien vous préparer sans trop de difficultés. Ensuite, sur la map, vous pouvez voir la zone jaune qui est le tier 2. Et c'est là que vous aurez de la difficulté qui va commencer pas mal à monter. On parle de difficulté autour des vagues 18-20 du zombie classique là. C'est beaucoup plus intense. Mais les récompenses seront meilleures. L'XP sera meilleur. Il y aura aussi des mini-boss qui vont commencer à spawn. Et c'est pareil pour la zone 3 qui est en rouge. Et là, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas juste des zombies. Il y a aussi des IA humains aussi que vous pouvez trouver dans la map. Ils se promènent des fois en véhicule ou dans certains forts, bien sûr. Et oui, vous pouvez faire en sorte que les zombies attaquent les IA humains si vous le voulez. Vous avez aussi le système de plaques de DMZ et de Warzone qui est présent et qui est super important à ce qu'il paraît. Tu peux améliorer ton armure pour avoir plus de plaques sur toi. Il va t'en falloir pas mal d'ailleurs des plaques parce que dans les zones plus avancées, ça devient super difficile si t'en as pas. Donc votre but au final, c'est de vous améliorer, faire vos missions, faire des contrats afin d'améliorer votre loot, vos armes. Car oui, les raretés d'armes sont là aussi, du vert au bleu au mauve jusqu'au légendaire. Et avec tout ça, bien sûr, tous les systèmes classiques du zombie sont de retour. Hein. Les armes sur les murs, la boîte mystère, les perks et les wonderfizz, le pack-a-punch, bref. Hein, les fameux éléments classiques que vous pouvez vous attendre normalement, eh bien, ils sont là bien sûr. Malheureusement, pas de gros easter egg à faire pour des armes super cool ou des cinématiques à la sortie du jeu. Je devine que ça sera ajouté dans le live service. Par contre, vous aurez des missions guidées que vous pouvez faire qui vont vous raconter l'histoire. Et à la fin de la mission, tu as une cinématique avec 3 actes disponibles en premier. Donc c'est là que toute votre lore sera racontée en fait. Bien que ces missions seront sûrement très intéressantes, j'aurais quand même préféré qu'ils aient au moins un gros easter egg à faire à la sortie du jeu, mais peut-être que ça sera disponible dans la saison 1, hein, qui sait. Après, ils ont dit qu'il n'y a pas d'easter egg, mais en soi, on a vu dans le trailer qu'il y a un énorme boss dans le jeu. Les devs ont teasé un peu qu'il faudra, genre tous les joueurs du serveur pour le vaincre, car il est à ce point difficile. Donc recruter beaucoup de personnes avant de l'affronter, je vous le suggère. Mais personnellement, ça me fait plaisir d'avoir du contenu qui est super difficile de ce genre. Et en plus, ça sera sûrement très très badass d'affronter cet énorme ver là, oh my god. Niveau lore, justement, on en parlait un peu juste avant, on rejoint pas mal l'histoire de Cold Wars avec celui de Modern Warfare. Ça sera assez intéressant à ce niveau-là. Et pour le contenu après la sortie, les développeurs ont dit qu'ils ont prévu beaucoup, beaucoup de choses pour le live service. Sûrement des easter eggs à fond, nouveaux contenus, s'ils font des nouvelles maps, par exemple de Warzone, je devine qu'ils vont amener le mode dessus. On verra bien. Est-ce qu'il faut exclure une possibilité qu'ils vont offrir une expérience plus pour les joueurs solo, hein, peut-être à vague, mais même autre chose là. Eh bien, pas encore, non. On sait qu'ils veulent faire quelque chose pour les joueurs solo, parce que ce mode, hein, vraiment, c'est pas pour l'expérience solo, c'est vraiment à jouer avec des amis ou même avec des randoms, là, parce que les solos auront beaucoup de difficultés, en vrai. Mais voilà,
Qu'est-ce que j'en pense, du coup? Eh bien, tous ceux qui s'attendaient à un mode à vague classique se mettaient clairement un doigt dans l'œil, à mon avis, étant un mode en bonus qui nous est offert avec ce titre, pendant que Treyarch nous cuisine la prochaine vraie expérience de zombie classique. Mais en vrai, je pense que ça peut être fun à essayer entre potes. Ma grosse crainte, c'est surtout que ça devienne chiant sur la longue avec les mois qui passent. Mais ça sera vraiment à eux de rendre ça intéressant avec du nouveau contenu, hein. Après, c'est vraiment dur de juger aussi, là, parce que c'est très nouveau, là, c'est très différent de qu'est-ce qu'on est habitué. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer soi-même pour faire son propre avis. Donc j'ai hâte de l'essayer, de l'avoir entre mes mains pour justement voir comment c'est. J'essaie de rester quand même positif, car on nous offre des nouveautés ici, et de l'innovation pour le zombie. Donc, à voir si ça va bien marcher ou non, hein. Pour tous ceux qui sont dégoûtés par ça, franchement, je vous dirais juste d'attendre le prochain mode classique qui viendra sûrement avec le prochain titre de Treyarch. Donc voilà, hein, c'est tout. Mais sinon, vous me direz ce que vous pensez de tout ça, vous me direz tout ça en commentaire. Et d'ici là, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, laissez un beau gros like, un commentaire, abonnez-vous. Et comme toujours, eh bien que la force soit avec vous. Allez, au revoir.
Logging in.